Salut tout le monde, c'est Red Alpha. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo V-Buck sur les maps. Bon, alors un peu de retard vis-à-vis de d'habitude quand je les mets. En gros, elle a pratiquement 2 heures de retard. Donc voilà, bref, déjà pour vous dire un grand merci pour ceux qui sont abonnés ces 10 derniers jours. J'ai vu que ça a quand même pas mal avancé. Nouveau concept qui est en ligne sur les top 1 pour récupérer une récompense dans la boutique. Donc pour tous ceux qui n'ont pas compris, je vous invite à venir sur mes lives sur YouTube. Donc mettez un maximum de likes sur les 2 dernières vidéos. Partagez-les au maximum. Et qu'on essaye d'atteindre très vite, je sais pas, 1000 abonnés par exemple. Pour ensuite demander un code créateur pour pouvoir continuer à vous faire des gros cadeaux comme ça. Notamment, il y a aussi un concours qui va être mis en place ce soir. Donc là, on est le 31-07-2019. Donc un concours qui sera mis sur Instagram. Donc mon Instagram, il est dans la description aussi. Donc voilà, pour toute autre question, moi, je vous invite à venir sur les lives qui sont très régulièrement. Donc on va commencer déjà par Villeplanche. Malheureusement, il n'y a strictement que dalle sur Villeplanche. Ça aurait été pas mal si on aurait eu, parce que ça aurait de nouveau été énormément de V-Bucks à se faire. Sur les 4 maps, mais malheureusement il n'y a strictement que dalle sur Villeplanche. Fontainebois, pardon, sur Fontainebois. Ensuite, Villeplanche, j'ai fait un peu tout le tour et il y a une petite 30 V-Bucks ici, donc chevaucher la foudre, niveau 40, avec 72 tickets estivaux, des XP de survivants, des foudres en bouteille et de l'or. Donc c'est déjà pas mal, ça va assez rapidement cette mission-là. Ensuite, on passe directement à Morne-la-Vallée, cette fois sur une petite. Livrer la bombe en 58, 35 V-Bucks plus 92 tickets estivaux, 10 XP de héros, des décuplateurs rares et de l'or. Et ensuite, pour un peu les plus grands joueurs, on se retrouve sur Picardie pour une petite 40 V-Bucks qui est tout simplement cachée. Où je la retrouve, c'est un peu le bordel. Elle était plus bas. Peut-être, je crois qu'elle était dans les. Ouais, désolé pour ce petit contretemps. Alors, donc je disais, Picardie, niveau 108, 40 V-Bucks, plus 122 tickets estivaux, des XP de survivants, œil de cyclone et de l'or. Donc voilà, en soi, chevaucher la foudre, qui je trouve assez facile à faire tout de même. Et en même temps, il y a donc cette fameuse livre à la bombe qui est un peu plus chiant, sur Morne-la-Vallée. Moins chiant que dans un désert. Donc voilà, vous avez aujourd'hui, si j'ai bien calculé, 105 V-Bucks gratuits. En soi, c'est pas énorme, mais ça reste 5 tickets qu'on peut avoir assez facilement. Donc voilà, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire le chiffre 21. La vidéo va durer grand max 5 minutes. C'est ce petit bug de pile. Je le savais que la pile était faible, mais je ne pensais pas que ça allait couper à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à partager tout ça avec tous vos amis, à me follow sur Instagram, à mettre des stories avec moi dedans. Si vous m'identifiez dedans sans problème, j'accepterai qu'on puisse ça republier sur mon.
sur ma story, pardon. Je bégaye un peu. Il est 4h10 du matin. C'est un peu chaud. En plus, il fait pas encore chaud. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai pas mal de trucs qui me travaillent dans ma tête. Donc voilà, j'espère un maximum de soutien pour avancer cette chaîne. J'ai encore pas mal de surprises qui vont venir. J'ai pas mal de projets en cours. Donc voilà, je vous invite vraiment, vraiment à vous abonner si vous êtes nouveau. Et si vous êtes des anciens, partagez ma chaîne si vous voulez un maximum. Ça peut vraiment beaucoup aider. Donc voilà, sur ce, je dis un grand merci à ceux qui sont là. Un grand merci à ceux qui font des magnifiques top 1 avec moi. Donc voilà, le règlement a changé. Tout est dans la dernière vidéo.